L'affection et l'attachement. Et bon, on a simplement écrit un seul verset. On va essayer de voir si on peut prendre les deux versets. Dans le chapitre 5, verset 18. On va répéter ensemble. Om namo bhagavate vasudevaya. Om namo bhagavate vasudevaya. Om namo bhagavate vasudevaya. Om namo bhagavate vasudevaya. चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपा तम् अहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणम् नम ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासवी गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Alors on va dire du chapitre 5. Texte verset 18. Alors, vous allez répéter après moi, s'il vous plaît. Vidya, Vidya, Vinaya, Vinaya, Sampanne, Sampanne, Brahmane, Brahmane, Gavi, Gavi, Astini, Astini, Shuni, Shuni, Chaiva, Chaiva, Swa, Swa, Pakecha, Pakecha, Panditaha, Panditaha, Sama, Sama, Darshinaha, Darshinaha, Vidya Vinaya Sampanne, Vidya Vinaya Sampanne, Brahmane Gavi Hastini, Brahmane Gavi Hastini, Shuni Chaiva Swapakecha, Shuni Chaiva Swapakecha, Pandita Sama Darshinaha, Pandita Sama Darshinaha, Vidya Vinaya Sampanne, Vidya Vinaya Sampanne,
Brahmane Gavi Hastini. Brahmane Gavi Hastini. Shuni Chaiva Shopakecha. Shuni Chaiva Shopakecha. Panditaha Samadarshina. Panditaha Samadarshina. Thank you, we see, Prabhu. Vidya Vinaya Sampane. Vidya Vinaya Sampane. Vidya Vinaya Sampane. Brahmane Gavi Hastini. Brahmane Gavi Hastini. Suni Chevasva Pakecha. Suni Chevasva Pakecha. Pandita Samadarsina. Pandita Samadarsina. This is who is it? Vijaya Vinaya Sampane. Vijaya Vinaya Sampane. Brahmane Gavi Astini. Brahmane Gavi Astini. Suni Chevasva Pakecha. Suni Chevasva Pakecha. Pandita Samadhachina. Pandita Samadhachina. Do you see it, Bishpo? Who is it? Mataji, who is it? Hare Krishna. Alors, on va prendre la traduction mot pour mot. Alors, Vidya. Vidya. D'instruction. D'instruction. Vinaya. Vinaya. Et de bienveillance. Et de bienveillance. Sampanne. Sampanne. Parfaitement. Parfaitement. Pourvu. Pourvu. Brahmane. Brahmane. Dans le Brahman. Dans le Brahman. Gavi. Gavi. Dans la vache. Dans la vache. Hastini. Hastini. Dans l'éléphant. Dans l'éléphant. Shuni. Shuni. Dans le chien. Dans le chien. Tcha. Tcha. Et. Et. Eva. Eva. Set. Set. Shopake. Shopake. Dans le mangeur de chien. Dans le mangeur de chien. Le paria. Le paria. Tcha. Tcha. Respectivement. Respectivement. Panditaha. Panditaha. Ceux qui sont. Ceux qui sont. Sages. Sages. Samadarshina. Samadarshina. Qui voit. Qui voit. D'un œil égal. D'un œil égal. Alors, on va prendre la traduction en entier. Alors, l'humble sage, dit l'humble sage, qui éclaire le vrai savoir, qui éclaire le vrai savoir, voit d'un œil égal, voit d'un œil égal, le brahman, érudit, érudit, et bienveillant, la vache, l'éléphant, l'éléphant, le chien, et le mangeur de chien, et le mangeur de chien. On va aller le tenir en portée. Alors, le dévot ne fait aucune distinction de caste ou d'espèce. Dans une perspective sociale, le brahman diffère de l'intouchable, de même que du point de vue des espèces. Le chien, la vache et l'éléphant différent. Mais, pour les spiritualistes dotés de la connaissance, ces distinctions corporelles n'ont aucune importance. Il sait que le Seigneur suprême est présent dans le cœur de tous les êtres, dans sa forme de Paramatma, son émanation plénière, et voit donc chacun en relation avec lui. Telle est la vision de celui qui détient le véritable savoir. Le Seigneur traite de manière égale tous les êtres, comme il se comporte avec eux en ami et demeure toujours auprès d'eux sous la forme du Paramatma, indépendamment de leurs conditions physiques ou sociales. Bien que les enveloppes charnelles du Brahman et de l'intouchable diffèrent, le Seigneur vit en chacun d'eux en tant que l'âme suprême. Ces enveloppes matérielles, produites par l'interaction des trois gunas, prennent diverses formes, mais l'âme et l'âme suprême présentes toutes deux en chaque corps, participent de la même nature spirituelle. Leur identité qualitative ne vaut cependant pas sur le plan quantitatif. L'âme distincte n'est présente que dans un corps particulier, alors que l'âme suprême est présente dans tous les corps. Elles se ressemblent dans la mesure où elles sont toutes deux conscientes, éternelles et pleines de félicité, et différentes dans le sens où l'une n'est consciente que d'un seul corps, quand l'autre est conscient de tous les corps. L'être conscient de Krishna connaît ses vérités, c'est pourquoi, en véritable érudit, il voit tous les êtres d'un œil égal. Jaguru Srila Prabhupada ki jai. Vidya vinaya sampanne brahmane gavi hastini shuni chaiva shopake cha panditaha samadarshinah. Alors ici, déjà, quand on a lu ce verset, le tenu à importer, on voit déjà, c'est connecté à
la compassion des gens. On dit qu'un dévot, lui, qu'est-ce qu'il voit déjà? L'être conscient de Krishna connaît ses vérités. Pourquoi? En véritable érudit, il voit tous les êtres d'un œil égal. Alors, si on voit tous les êtres d'un œil égal, est-ce qu'on va, on dit en créole, la fin de minière? Non! Ils sont tous égaux, ils sont tous partis de Krishna. Alors, notre travail, c'est quoi? C'est au moins de les aider à bouger à un stage plus avancé. Bon, il y a des fois que les gens font une confusion entre la compassion et l'affection et l'attachement. J'aurais dû mettre compassion versus contre affection, attachement. Parce qu'il y a des gens, eux, ils vont dire, mais alors, si c'est le cas, ben, si je vois, dois avoir un chien égal, de l'égal, alors je garde un petit tuto à la maison et je le nourris, et je lui donne l'affection, l'attachement et tout. Mais n'oubliez pas, quand vous allez développer ce type d'attachement, prochaine naissance, vous allez devenir chien. Vous voulez devenir chef la prochaine naissance pour vous, Mathésier? Non, mais c'est ça. C'est ça, les gens, il y a des fois, ils mettent la compassion dans des places qu'il ne faut pas. Alors, d'ailleurs, c'est pour cela qu'on va essayer de lire aussi le chapitre 16, verset 24, parce que beaucoup de fois que des gens ne savent pas où mettre la compassion. Ils ne savent pas où mettre la compassion. Ils ne savent pas où mettre l'affection. Ils ne savent pas mettre l'attachement. C'était le cas d'Arjun. Qu'est-ce qui s'est passé à Arjun? Quand il était de champ de bataille et que là, il devait combattre ses familles, son maître spirituel, d'une autre façon, ses neveux, et ses frères, ses cousins, et tout, hein, son grand-père et tout. Mais c'était quoi là pour lui déjà? Mais il ne voulait pas. Et qu'est-ce que vous voyez là? Il a tout développé en fait. Oui, c'est tout là. Oui, compassion, affection, attachement. Je dis, Krishna, je ne peux pas. Et j'ai tout là-bas, mon boulot, mes frères, mes neveux, comme si mes enfants, et tout, la famille. Alors, Krishna lui dit, tu dois faire la bataille à cause de moi. Moi, je le veux. Donc, quand Krishna veut quelque chose, les dévots doivent le faire. Alors, tant d'histoires. Alors, des situations. Quand j'écoutais un lecteur de Srila Prabhupada nous expliquer un peu comment. Enfin, des gens, ils pensent qu'ils sont en train de montrer la compassion. Alors, il a donné l'exemple d'un cas. D'une mère, elle pensait que c'était la compassion. Les compassions, alors l'enfant a commencé à, comme si, fréquenter des malfaiteurs, l'association. Alors, quand on a commencé à fréquenter des malfaiteurs, qu'est-ce qui va se passer? Si on fréquente des voleurs, on devient quoi? Des voleurs. Si on fréquente des brigands, on devient des brigands. Si on fait quand des dévots, on devient des dévots. Voilà. Alors, la force de la compassion. Pas la compassion, mais l'association aussi. Alors, ici, la compassion a été mal vue dans cette situation où la mère a vu que l'enfant a commencé à s'associer avec des brigands, des voleurs. Mais elle pensait, ok, l'affection pour l'enfant. Les gens ont laissé de l'affection. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a commencé à voler. La mère dit, ok. Compassion, affection, attachement pour mon fils, laissez-le. Tout doucement, après le temps, le garçon a commencé à fréquenter des criminels, plus à un niveau plus élevé, lui aussi là. Et c'est là, lui aussi là. Et là, il a tué, commencé à tuer les gens. La mère est toujours quoi là? Attachement, c'est mon fils. Affection. Alors, elle fait rien. Et là, qu'est-ce qui se passe finalement?
Qu'est-ce qui va se passer quand on tue quelqu'un? Il va dans la prison. Il va dans la prison. Et là dans la prison, et la loi, les codes pénales, voilà, tu seras pendu. Il y a des lois dans les pays, c'est comme ça, c'est très strict quand vous tuez quelqu'un. D'ailleurs, d'après les écritures védiques, c'est ça. Quand vous tuez quelqu'un, on vous dit pour que le karma, pour la prochaine naissance, ne souffre pas plus que ça, il faut le pendre. C'était ça, d'ailleurs. Mais là, après, on dit non, Amnesty International, droit de l'homme, on le protège. Mais ces gens ne le connaissent pas. Mais avec la personne qui va prendre l'engagement de le pendre. C'est son travail. Lui, il n'a pas de problème. Ah bon? C'est son travail. Yamraj. Si Yamraj prend l'engagement de vous mettre dans des situations, est-ce que Yamraj va payer lui? Il est l'autorité, lui. L'autorité là-bas. D'ailleurs, en diminuant ces éléments antisociaux, vous rendez service à la société. Vous rendez service. Mais la loi maintenant, les gens, c'est ça, ils mettent la compassion. C'est de la compassion. Mais on va parler sur les trois gunas tout à l'heure. C'est pas un peu pas facile à digérer. Mm-hmm. Mais on a des lois à comme si corriger, à les donner une chance. On donne une chance, oui, on donne une chance. Mais est-ce que ces gens vraiment ils se corrigent eux-mêmes? Ben, c'est à poser des questions. Ben, s'ils sortent, on donne une chance, tant mieux. Mais ils sortent, ils deviennent toujours pareils. Quand il y a des... Pour eux, c'est facile. Je tue quelqu'un, je reste dans la prison pendant le temps, j'ai à manger, à boire, je dors, après un peu de temps, un peu que j'ai la peine, je ressors, et je refais le même délit, parce que dehors, j'ai pas de rôle, je reviens à l'intérieur, et voilà. Mais si les gens ne se corrigent pas, c'est quoi? Alors, c'est pour ces gens spécifiques qu'on parle. On a placé la compassion de mauvaise place. Alors, dans ce cas, le cas de la mère, là, elle pensait que c'était de l'affection pour son enfant. Mais finalement, l'enfant a commencé à voler, après a commencé à commettre des crimes, a commencé à tuer les gens et se trouve dans la prison. Et finalement, il se fait pendre. La loi. Alors, en Inde, il y a des gens. Hein. Et si je ne vous connais pas, si vous avez suivi un peu l'actualité, et surtout dans des cas de viol, là. Un groupe de 5-6 garçons qui avaient violé une fille touriste, qui n'est pas une indienne, mais une touriste. Ils l'ont tué en même temps. Après l'avoir violé, ils l'ont tué. Et là, le gouvernement a pris du temps, mais tout avait été donné. C'était la peine à mort de les pendre. Et tout le monde a dit oui, voilà, c'était ça. Mais chaque pays a sa loi. Mais la loi de Krishna reste. La loi de Dieu reste toujours là, universelle. Alors, dans ce cas aussi, et quand l'enfant est devenu grand maintenant, hein, voilà, il a été pendre et on lui a demandé, c'est quoi ton dernier vœu? T'as quelque chose, un dernier vœu? Alors, il dit, bon, mais je voulais rencontrer ma mère avant de mourir. Alors, il a rencontré sa mère. Et qu'est-ce que vous pensez qu'il a fait à sa mère? Il n'a pas tué, mais au moins, il a l'arraché l'oreille. Hein? Il a arraché l'oreille. Ce qu'il a pu faire, au moins. Il aurait pu faire plus que ça. Mais avec le maire, dans mes notes, là, il n'a pas pu faire. Au moins, il a arraché l'oreille de la mère. Donc, il a dit, quand j'étais enfant, quand j'ai fait des bêtises, je ne m'ai pas corrigé. J'ai commencé à voler, tu n'as toujours rien dit. J'ai commencé à tuer des gens, là, si tu n'as rien dit. Au moins, si tu m'aurais dit, ça n'était pas venu jusqu'à là. Ah, c'est ça, vous voyez que la compassion et l'affection, quand on le met dans une mauvaise place, c'est quoi? C'est bien? C'est pas bien? C'est pas bien. C'est pas bien du tout. Alors, c'est ça que Krishna a mentionné, et dans le tenir à porter Chopadam, mentionné qu'il a les trois gunas. Mais voilà que vous avez la compassion, l'affection, l'attachement dans différents niveaux. C'est dans la vertu, dans la passion et dans l'ignorance. Alors, il y a des fois qu'on met la compassion, l'affection, l'attachement, ça, dans surtout la mode de l'ignorance, c'est très très dangereux. C'est pas bon du tout. Et je pense un peu les exemples que je ne veux pas donner, et même quand on faisait le livre, là, les deux jours de Diwali. Et quand il y avait le Soula, là, les mois qui étaient venus, je vois que derrière,
un euro, et pas. Mais d'ailleurs, c'était comme si la compassion. Le Prabhupada, mais je leur ai pas dit, ne donnez pas aux humains, parce que eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller au revoir, quoi. On a, mais dans notre monde, qu'est-ce qu'on fait là? On contribue à quoi là? À la mort? Ben c'est ça, qu'il y a des choses, il y a des fois, on pense, on essaie de montrer notre compassion, mais. Ou même, ce n'est pas dans l'ignorance, mais un peu dans la passion, que, allez, on va juste débarrasser de lui. Mais de lui donner à manger. Mais c'est mieux de le donner à manger. T'as faim, bien, tu manges. C'est ça, ça devient au moins de la mode de la blessure. Et au moins de le débarrasser, ça devient un peu la passion. Allez, allez, vas-y. Et l'ignorance totale, c'est plus grave encore. Alors c'est ça, il faut savoir comment mettre la compassion. Mais ce sont des choses que même si on parle d'Asie, Dieu ne peut pas donner. Ne pas donner aux humains, parce que eux, vous les enterrez mieux là. Vous les enterrez mieux. Parce qu'ils vont aller faire les mêmes conneries, et ils vont mourir. Ben, un peu comme ça, ben, il y avait aussi le cas de Kunti, Kunti Maharani, la mère des Pandava. Quand Krishna quittait déjà Hastinapur, après que la guerre de Mahabharata s'était terminée, et là qu'on avait déjà couronné Yudhishthira comme roi, alors Krishna dit, bon, voilà, mon travail est terminé. Moi, je pars maintenant à Dwarka. Et là, tous les surtout Gopi, mais Kunti, Maharani, vient et dit à Krishna, ben, tu pars déjà? Ben, il dit, oui, mais je dois partir, j'ai déjà fait mon pas. Elle dit, ben, qui va maintenant nous protéger? On a passé tant de calvaire, tant de problèmes quand nous étions mis dans cette maison de, vous savez là, le lac, et que il avait mis du feu dedans. Dieu avait fait, on essayait de tout faire là pour finir avec les Pandavas. Mm-hmm. Tout le temps essayer de le tuer. Mais qu'est-ce qu'on dit tout le temps? Le dialogue qu'on avait appris là, Shabbatazi Benazet, qu'elle disait. Rakhe Krishna mareke, mare Krishna rakheke. Attends, vous vous souvenez de ça? Si Krishna veut vous protéger, n'importe qui veut vous tuer, il ne pourra jamais vous tuer. Et si Krishna veut vous tuer, n'importe qui essaie de vous protéger, vous allez être tué. C'était le cas. C'est quelque chose qui marche bien à merveille, ça. Alors, c'était le cas. Et Duryodhana a essayé de tout faire pour tuer les Pandavas. Et là, dans la maison, il y avait une maison qu'on appelle. La matière, c'était pas le ciment ou quoi, c'était du lac. L'acier, comme ça. Et là, dedans, quand on était dans la maison, ils ont mis du feu dedans. Et la maison a brûlé. Mais finalement, Krishna les a protégés. Ils ont sorti d'une souterrain, d'un tunnel, et puis ils se sont enfuis. Dans ce passant-là, Krishna est toujours là à protéger des vous. Alors que Kunti, tu n'as protégé dans des situations comme ça? Alors, au moins, comment je peux faire pour cette affection que j'ai pour ma famille? Je veux couper cet attachement avec ma famille, je veux couper ça. Et je veux avoir plus d'affection et d'attachement pour toi, Krishna. Comment je vais faire ça? Explique-moi. Et elle fait une très jolie prière qu'on appelle les enseignements de la reine Kunti. Elle commence. Elle dit, Krishnaya Vasudevaya, Devaki Nandanaya cha, Nandagopumaraya, Govindaya Namo Namaha. Ce sont des prières qu'elle commence à glorifier Krishna. Elle dit, donne-moi la souffrance. Parce que dans la souffrance, ici elle a glorifié Krishna dans cette prière. Mais dans les enseignements, elle dit, quand je souffre, je te pense. Mais si tu me donnes là un palais et toute l'opulence, je vais t'oublier. Comment je vais toujours te penser? Vous voyez un peu comment les dévots, hein? Les dévots, eux, ils veulent toujours penser à Krishna. Comment ne pas oublier Krishna? Alors, quand on attend l'opulence, c'est quoi? L'amusement. C'est quoi déjà? La passion et l'ignorance. Alors, on va oublier. Mais à moins si vous êtes situé dans la vertu, on a une chance où on a pensé Krishna. Mais ce n'est pas tout le temps le cas. Mais c'est ça qu'Kunti Maharani nous enseigne ici, de comment casser cet attachement
l'affection pour les familles. C'est-à-dire, je ne veux pas être, avoir l'affection pour la famille, mais je veux avoir l'attachement avec. Pour vous, Krishna. Alors, un peu des enseignements comme ça. Et on pense déjà que l'attachement, quand on met la compassion de mauvaise place, on a plusieurs fois donné l'exemple du roi Bharat, vous vous souvenez, on a dit, quand il était allé faire la chasse, et là, quand il a vu le petit cerf qui était seul là, la mère qui était déjà morte, alors il a eu quoi? Compassion. C'était compassion. Mais à ce moment-là, on peut dire, ok, c'était compassion, dans la vertu, ok, il a eu chagrin. Et là, il a emmené le petit cerf à la maison, on a commencé à lui donner le temps, à développer l'affection, l'affection et l'attachement. Mais là, ça a devenu un peu quoi là? Problème là pour lui. Oui. Parce que qu'est-ce qui s'est passé finalement? Quand il a quitté son corps, il a pensé. Il pensait, ben, qui va prendre soin du cerf? C'était l'attachement. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Il est devenu cerf. Il est devenu cerf en fin de naissance. Alors, il faut bien penser. Quoi faire? Alors, quand, si on a un enfant, et d'ailleurs, quand on parlait le matin, on a dit, c'est ça déjà les cas. On pense qu'on a une affection, une compassion pour notre enfant, qui, je pense qu'il souffre. Il n'est pas devant mes yeux, il est en train de souffrir. Et comment je vais l'aider? Et de toute façon, vous empêchez à l'enfant de grandir. L'enfant doit apprendre. Il doit apprendre de se débrouiller. Si l'enfant il était dépendant de vous, vous l'aidez, c'est ça, vous mettez la compassion quand il le faut. Mais quand l'enfant est devenu adulte et il veut vivre une vie royale, ben, il n'a pas le moyen. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il va commencer à usurper la richesse des parents, un peu du tout. Hein. Mais les parents, eux, doivent savoir. Si vous toujours montrez la compassion et l'affection d'une mauvaise façon, c'est quoi là? C'est pas l'affection dans la vertu là. C'est pas aussi de la passion là, ça devient l'ignorance. Vous ne laissez pas. Il n'est plus l'enfant maintenant, il est devenu adulte, il doit se débrouiller. Laissez-le. Alors, l'attachement, la croix. Alors, pour nous les dévots, surtout quand on dit, par rapport au temps que Srila Prabhupada dit, il y a des dévots, eux ils pensent, pour nous les dévots, comment on doit montrer la compassion? Je dis là, c'est vital, bien s'en connaît, voit tout le monde pareil, mais si on voit tout là, on voit tout pareil, ne pas comme si fait l'interprétation, ah ce chien, j'ai de l'affection, de la compassion, alors dans la Bhagavad Gita j'ai lu ça, je dois tout le voir pareil, ah moi je vais garder le petit chien là, le chien. Mais alors qu'est-ce qui va se passer plus tard? Vous allez développer l'attachement, et ça va vous faire devenir quoi plus tard? Un petit tuto plus tard, dans la maison je ne connais pas d'où, hein, du premier ministre ou je ne connais pas. Vous voyez les gens en train de marcher sur le chemin avec les tutus. Ok, c'est bien, vous faites. Mais qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que c'est la vertu? C'est la passion ou c'est l'ignorance? Non. C'est l'ignorance. Des fois, c'est pas aussi la passion, c'est l'ignorance. Parce que ces gens oublient tout. Parce que nous, les dévots, quand on parle de compassion, affection, attachement, les dévots, on montre la compassion au fond. Chaque fois, il dit, c'est quoi la compassion? La vraie compassion, c'est quoi? Un dévot, s'il dit qu'il est compassionné, et là aussi, dans cette classe, il n'a pas dit, vous pensez que vous êtes devenu brahman? Vous êtes juste en train de faire arti de Krishna? Il n'a pas dit, fermez le temple et allez dehors, allez prêcher à tous ces âmes qui sont là, conditionnées, qui sont dans l'ignorance totale. C'est ça la vraie compassion. Aller prêcher. Il dit, oh, bravo. Brahman, bravo, brahman. C'est bon. Devenir brahman, de faire artiste, ça font partie. Mais pas être aussi pris dans votre propre service, ça devient un peu égoïste que juste pour soi. Et vous oubliez tous ces gens qui sont en train de souffrir dehors. C'est ça que Shiropa dit. Il dit, s'il faut fermer le temple, fermer le temple, fermer le centre, aller dehors et prêcher.
On peut toujours quitter quelqu'un à l'arrière pour faire des dévotions. La seule personne peut faire ça. Il cuit, il fait les offrandes. Mais tous les soldats du Mahaprabhu, l'armée de Mahaprabhu, l'armée de Krishna, doivent être là, sur le chemin, en train de prêcher ce qu'on va faire aujourd'hui. Le Vainam Ki Jai. Alors, c'est un peu comme ça, la compassion. Parce que nous allons vers ces gens, parce que eux, ils sont quoi? Ils ont mis leur affection et l'attachement dans des passes qu'il ne faut pas dans le monde. On doit prêcher à ces gens. Et aussi, c'est ça que je leur parle, explique que ça, on appelle ça le... vous avez entendu le Yukta Vairagya? Yukta Vairagya. Yukta Vidya. Nous, quand nous pratiquons le Bhakti Yoga, c'est ça qu'on appelle le Yukta Vidya, Yukta Vairagya. Yukta Vidya, c'est le Yukta Vairagya, c'est-à-dire que vous n'êtes pas attaché à des choses matérielles, mais vous êtes attaché à Krishna. Tout ce que vous avez, vous servez pour Krishna. Vous mettez ça en, dans le service de Krishna. Et Prabhu, il a déjà l'exemple. Il a une grande maison. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a converti cette maison en forme de temple. Dans un temple ici, vous avez Jagannath, Baladev et Subhadra. Vous avez Srila Prabhupada, Govardhan et Charigram Shila sont venus ici, dans le temple. C'est ça Yukta Vairagya. Vous servez tout ce que vous avez dans le service de Krishna. Vous avez une voiture, ok. Prenez la voiture, sortez, remplissez des livres, allez prêcher. Vous n'avez pas de voiture, allez dans le bus. Krishna vous a donné tant de choses. Vous servez toutes les choses dans quoi? Dans la conscience de Krishna, dans le service de Krishna. C'est ça le Yukta Vairagya. Et le Yukta Vidya, c'est quoi? C'est ça qu'on dit de Bhakti Yoga. Mais inversez, le premier ligne que Chopin a toujours dit, Yukta Vidya Nidya Bhakti Yoga. C'est-à-dire Yukta Vidya, c'est ça Yukta Vidya. Connaissance que vous servez dans quoi? Dans le service de Krishna. Dans le service de Krishna. Parce qu'il y a des gens, eux, ils ont. Vidya, Vidya c'est quoi? Vas-y, la Vidya, c'est connaissance. Ils ont connaissance. Mais qu'est-ce qu'on avait dit l'autre jour dans le verset? Vasudeva Parangyanam. Ou Vasudeva Paraveda. Toutes les connaissances, c'est de connaître Krishna, Vasudeva. Alors, Yukta Vidya, c'est ça. Nous avons la connaissance. C'est quoi la connaissance? C'est de sortir, d'aller aider les gens. Si vous dites que vous faites Bhakti Yoga, vous êtes de la conscience de Krishna, et vous dites, ah, quand j'ai entendu un peu, il y a des histoires, mais on ne va pas nommer une personne, et on se dit, ah, il a Harina, mais il va de l'autre côté de la rue, et il ne va pas nous donner un coup de main. Mais ce n'est pas ça. Parce que, possiblement, la personne, le dévot concerné, lui, il n'est pas venu sur le niveau de comprendre que, qu'est-ce qu'on est en train de faire là? On est en train de prêcher le Saint-Nom. Mahaprabhu, qu'est-ce qu'il a fait? Krishna, est-ce que Krishna, lui, quand il a donné, il a expliqué tout, comment faire le dédié worship et tout. Mais est-ce qu'il a mis en application, est-ce qu'il est venu, il a fait ça, il l'a montré lui? Non, il a donné l'instruction. Il a donné les instructions. Mais pour mettre en pratique, il est venu dans la forme de Mahaprabhu, ensemble avec Srimati Radharani. Ils sont venus les deux pour quoi? Pour nous donner les enseignements de Krishna, de le mettre en pratique. Et qu'est-ce que Mahaprabhu faisait? Qu'est-ce que Mahaprabhu faisait? Kirtan. Yogdhan, Rinam, Sankirtan, Ki. C'est ça que Mahaprabhu faisait. Il sortait en dehors et allait vers les gens. On ne va pas attendre les gens vont venir là, ah, chez moi. Non. Allez, nous avons un centre, c'est bien. Le centre, c'est pour nous, pour aider à prêcher. Les gens vont venir, on va leur donner la philosophie. C'est bien. Il faut avoir une place. Mais auparavant, c'est ça. Mahaprabhu pouvait s'asseoir n'importe où, lui. Vous pouvez s'asseoir, mais c'est Dieu. Mais nous, dans le centre-ville, si vous allez vous asseoir sur le chemin et commencer à faire du milanga, et vous avez vu déjà, c'est son qui vient déjà dans vous voyez, voilà. Mais c'est ça, vous allez faire face à ces problèmes. Mais l'idée principale, c'est d'aller vers les gens. C'est ça. Et que j'apprécie déjà
Le dernier Prabhu a déjà son programme, il connaît, je vois, on va faire comme ça. C'est le rien. Sortir régulièrement, aller vers les gens, où là, que Prabhu va mettre son petit à la table, et puis il va mettre les livres. C'est ça, montrer les gens. Voilà, donner les gens Krishna. C'est ça. C'est ça qu'on doit faire. Alors, juste pour aller un peu vite ici, dans le verset 24 du chapitre 16, alors je vais juste lire la traduction. Alors, et l'homme doit être en mesure, à la lumière des principes énoncés dans les Écritures, de déterminer ce qui relève ou non de son devoir. C'est quoi son devoir? Il doit savoir. Puis, ayant connaissance de ces règles, il doit agir de manière à s'élever graduellement. S'élever graduellement. Alors, on ne va pas lire tout le dernier portée, mais on va voir la conclusion. Et que là, je ne suis pas dit de la conclusion. Tels sont donc certains des défauts de la société qui conduisent à un mode de vie démoniaque. On va donner un peu des exemples. Ils pensent qu'ils sont en train de montrer la compassion. Mais non, vous mettez ces gens dans l'enfer plus facilement. C'est ça, parce que si vous voyez le mode de vie, qui donne ce type de mode de vie? Qui donne ce type de mode de vie? C'est partout, c'est un problème partout ça. C'est déjà l'effet de quoi? De l'âge, de l'hypocrisie. Alors, tous les gens, si vous connaissez le principe, par exemple, ne pas tuer des animaux, mais pourquoi est-ce qu'on garde, on appelle ça des boucheries, en anglais, des slaughterhouses, pourquoi on garde ça? Tant que vous aurez ça, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura quoi? On va toujours tuer des animaux. Alors, mais là, déjà, mais le gouvernement aussi, malheureusement, eux, ces gens-là, ils ne connaissent pas Krishna. Ils ne connaissent pas les enseignements. S'ils auraient connu l'enseignement, ils auraient fait une façon que de diminuer au moins. Hein, de diminuer de quoi. Mais quand vous voyez déjà en Inde, qu'est-ce que le Premier ministre a fait maudit? Il a fait arrêter tout là, le gaurhatya, de tuer la vache et le bœuf là. C'est arrêté totalement. Si on attrape quelqu'un dans les boucheries là, s'il y a des gens et les bouchers là, s'ils vont, c'est directement le prison. Et pas juste ça, oui, c'est déjà. Oui. Toute l'Inde, ça? Toute l'Inde. On a commencé à faire l'opération nettoyage. Doucement, ça. Il y a plusieurs États qui ont déjà mis ça là, en pratique. Comment les gens ils vont manger du bœuf? Comment les gens ils vont manger du bœuf? Il n'y a pas. En Inde, il n'y aura plus. Parce que c'est le pays qui mange le plus de bœuf. Oui, c'est ça. J'ai déjà dit. Ouais. C'est ça, pour diminuer ça. C'est paradoxal. Ils sont 1,2 milliard. Il y a plus. Le business, plus ça sort de là. Plus vegan, quoi. Tu vois. Ouais. Alors, pour essayer de diminuer ça, parce que déjà, l'Inde, la culture de l'Inde, la culture védique vient de là. Et il y a des gens qui ne suivent pas les enseignements védiques, on dit là. Il faut suivre les écritures, ne suivent pas. Alors, c'est ça que Prabhu vient de dire. L'Inde est le pays qui est connu mondialement, le numéro 1 qui fait les trafics de la viande de bœuf. Mais ce ne sont pas ceux, les gens qui pratiquent, qui ne lisent pas, on dit là, les écritures, les principes énoncés dans les écritures. Et qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il doit faire? Alors, là, ça a déjà commencé. Mais doucement, ça va venir. Mais même chez Prabhupada avait dit à ce moment que si vous ne pouvez pas rester sans la viande, il y a une très jolie carte dans c'est ça là, et c'est ça, on dit comment en français? Science of Self-Realization, comment on dit en français? La science de la réalisation de soi-même. C'est ça, il y a un livre comme ça. Vous avez ce livre en français déjà? The Science of Self-Realization, SSR. C'est ça. Il y a beaucoup de travail à faire pour la population française et ceux qui comprennent le français. Il y a tant de livres que je ne suis pas nous donner. Mais pour faire la traduction, c'est ça. Des gens de compassion, que les dévots qui connaissent le français doivent venir en avant et commencer à faire la traduction. Ben, pour que tout le monde ait cette connaissance. Parce qu'on a déjà le Bhagavad Gita dans plusieurs langues aujourd'hui. Et au moins les autres livres aussi sont importants. Donc là, je ne peux pas dire, mais si vous ne pouvez pas rester
sans la viande, mais au moins ne tuez pas la vache, ne tuez pas le bœuf. Allez tuer les animaux qui sont, si vous ne pouvez pas même, allez manger les animaux qui sont là, inférieurs là. Mais ça aussi, c'est pas conseillable. Parce que c'est, mais au moins en ne tuant pas la vache, vous évitez de grandes calamités. Hein. Parce que tuer la vache, c'est très très, la réaction, c'est, vous ne pouvez pas imaginer. Parce que dans les gavures courantes, c'est déjà expliqué, les gens qui tuent la vache, c'est pas facile, on va dire. Tant du poil qu'il y a sur le corps de la vache, ils vont rester dans l'enfer pendant tant des années. Vous, c'est pas facile. Et aussi, ils vont pouvoir pas traverser cette rivière qu'on appelle les Vétanani, la rivière du sang et du cul. Juste ceux qui ont pu faire une donation d'une vache. On avait parlé hier. Le roi qui faisait. Il faisait, mais malgré ça, il était devenu quoi? Un lézard. Alors c'est très 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 important de prendre connaissance des choses. Connaissance d'après les Écritures. Voilà. L'homme doit être en mesure, à la lumière des principes énoncés dans les Écritures, de déterminer ce qui relève ou non de son devoir. Puis, ayant connaissance de ces règles, il doit agir de manière à s'élever graduellement. Alors, tels sont donc certains des défauts de la société qui conduisent à un mode de vie démoniaque. Mais quiconque sera guidé par un maître spirituel authentique, je ne parle pas de qui ? Un maître capable de le diriger sur la voie de l'élévation verra sa vie couronnée de succès. Jagdguru Srila Prabhupada ki Gaur. Vous avez des questions pour vous dire, quelque chose à ajouter? Et on se voit vous après la classe qu'on a aujourd'hui. Pour mettre la compassion, pour mettre l'affection et pour mettre l'attachement. Nous sommes attachés, nous montrons notre compassion, mais notre devoir c'est de retirer ces gens de l'ignorance. C'est alors, c'est ça le vrai travail social, c'est ça le véritable travail social. C'est pas en donnant à manger, des vêtements et tout, mais ces gens vont toujours dépendre de vous. Ils vont toujours dépendre. Ah, mais déjà, le gouvernement va nous donner des pensions. Non, il faut leur donner l'éducation qu'il faut pour qu'ils comprennent qu'on va sortir de cette misère de bouger. Ça va pour vous? Ouais, super. Hare Krishna. Ouais. Dis bonjour à Nakul parce qu'il regarde. Nakul Prabhu, Hare Krishna. Jai, Shivapati Jai. Jagannath Prabhu, Shivapati Jai. Granth Raj, Shivapati Jai.